Amen, amen, alléluia. C'est une grande joie pour moi d'introduire le serviteur de Dieu, Noah. Alléluia. J'ai pas pu autrement que de faire une blague hier. J'ai dit initialement, enfin, l'église, ça s'appelle ici l'église évangélique apostolique, que par la grâce de Dieu nous ont fondée. Mais il fut un temps où l'église s'appelait l'Arche. Et tout naturellement que Noah doit prêcher dans l'Arche. Amen. Vous savez, Dieu est en train de tisser des connexions entre ministères, en train de tisser des réseaux. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est étonnant, vous savez, quand c'est des connexions humaines, mal diplomatiques, il faut faire tout un tas de choses pour que la connexion se fasse. Il y a des brouillages, et puis ça ne tient pas. Mais quand c'est Dieu qui fait des connexions, ça fait à peu près 2 minutes que tu rencontres le bonhomme. Voilà. Et tu as l'impression que ça fait 20 ans que tu le connais. Et voilà, on s'est rencontrés. Et puis, quelques minutes plus tard, on commençait à parler du... Comme ça, vous le saurez, vous n'aurez pas besoin de poser la question. Du Congo-Brazza. Non, du Congo-Kinshasa. Alors, tout de suite, je lui dis, bah, on a des églises à Goma. Alors, tout d'un coup, il était intéressé. Hein, voilà. Alléluia. Et puis, je vous dis, quand ce sont les connexions de Dieu, il n'y a aucun brouillage. Remarquez. Mais ces connexions-là, là, pas lui, hein, mais ces connexions-là, ça ne marche pas bien. Les connexions, des fois, ça... voilà. Il y a même des fois des interférences avec mon téléphone. Quand c'est mal fichu, je peux entendre la radio du voisin. Donc ça va pas. Mais quand c'est une connexion que Dieu fait, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Que rien ni personne vienne mettre de quelque chose d'humain dans ces connexions divines. M'as-tu bien entendu, toi, l'ennemi de notre âme, que rien ni personne ne vienne mettre du bruit, du brouillage dans les connexions que Dieu est en train de faire. Amen. Viens, mon frère, je vais prier pour toi. Alléluia. 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 Merci. C'est accueillir le serviteur de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père de gloire, Père d'amour. Alléluia, merci pour la présence de ton Fils là au milieu de nous. Te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as déposé dans son cœur. Merci, Seigneur, qu'il soit dans cette liberté de Christ, dans cette liberté de l'Esprit, pour nous apporter ce que tu as déposé dans son cœur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je pose ma main sur lui et... j'appelle et je proclame la bénédiction qui est déjà là, mais qui est encore là. Au nom puissant de Jésus-Christ, et tout le peuple de Dieu dit Amen. 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 Oui, ça marche. Waouh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Je vais inviter, si possible, Nadine, ma femme, pour interpréter un cantique avant d'écouter le message. Soyez bénis de la part de Dieu. Je suis vraiment béni par la prière de l'apôtre Berton et je sais que ça m'a fait beaucoup, beaucoup du bien et ça va encore une plus impacter mon ministère. Amen. Parce que ce sont des pères qui ont marché avec le Seigneur.
et leurs prières nous propulsent d'aller plus loin. Amen. Et je vous bénis, vous qui êtes là, vous qui êtes en train de me suivre en direct. Sachez que le Seigneur a une parole pour vous. Ça serait un message de réveil spirituel et quelque chose du bien vous arrivera. Amen. Ok, Nadine peut venir, oui, vous pouvez l'accompagner. Peut chanter, même ce même cantique qu'on a répété, peut chanter et pour la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, que le nom de Jésus soit béni. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Et la Bible rajoute encore en disant que là où les enfants de Dieu sont unis, c'est par là que Dieu répand sa bénédiction. Il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est par là que Dieu répand sa bénédiction. Et je crois du fond du cœur que la bénédiction de Dieu est en train d'être déversée dans la vie de quelqu'un ce matin. Si tu es d'accord, tu peux acclamer au nom de Jésus. Yes. Gloire à Dieu. Je vais chanter un cantique que nous connaissons tous, c'est Gloire à l'agneau. Mais j'aimerais qu'on le chante de tout cœur, qu'on puisse réaliser les paroles que nous sommes en train de dire. Parce que l'agneau de Dieu s'est offert pour nous. Il a donné sa vie afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il a fait de nous un peuple saint. Chantons ensemble. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. Alléluia. L'agneau est souverain. Recommençons encore. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, alléluia, gloire à l'agneau. Gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, car il est, car il est glorieux et digne de régner. Jésus, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Voici, il est là, apportant la solution au problème qu'il aura trouvé.
soyons sensibles à sa visite, car il est là pour nous toucher, car il est là pour nous faire oh, du bien. Car au Seigneur, amen, amen, amen. Merci Jésus, merci de acclamer le Seigneur. On peut acclamer très fort le Seigneur. Merci Nadine. Merci, on peut encore acclamer. Quelqu'un peut pousser des cris de joie très fort. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut pousser encore au plus fort des cris de joie pour manifester qu'il est là. Alléluia. La Bible dit, alors que Dieu créait la terre, les anges poussaient des cris et les anges acclamaient. Plus les anges acclamaient, Dieu était motivé de créer encore le deuxième jour. Lorsque nous poussons des cris, nous motivons à Dieu de faire encore de meilleur. Est-ce que quelqu'un peut pousser encore des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur très fort? Alors que tu acclames le Seigneur, laisse que la gloire de Dieu vienne là où tu es. Alors que tu acclames le Seigneur, laisse que son règne se manifeste dans ta vie. Nous disons amen. Amen. Je suis très reconnaissant pour l'apôtre Berton. Ces hommes sont très utiles pour la France. La France a besoin des hommes comme tels, des hommes spirituels. J'ai été vraiment très étonné de voir ce genre de mouvement de l'esprit, de voir ce genre de Pentecôte. J'ai dit, ah bon, je suis en France. Et ça m'a vraiment touché de voir ce mouvement de l'esprit que l'homme de Dieu, l'apôtre Anna. Vraiment, c'est un trésor. La France en a besoin des hommes pareils. Amen. C'est par le flot de l'esprit qu'il y aura des changements radicaux. Alléluia. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit descendra sur nous, les déserts seront changés en vergers. Et les vergers seront considérés comme une forêt. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cet homme de Dieu. J'ai un message de la part du Seigneur. Nous savons que ces dernières temps, l'homme de Dieu est en train de parler sur « Je me donne tout entier ». C'est ça, n'est-ce pas? Hein? « Je me donne tout entier ». Je me donne tout entier. L'homme de Dieu parle ici la grâce. Et le Seigneur m'a donné un message par rapport à ça. Le titre de ce message, c'est « Oui Seigneur, je viens sur l'autel des sacrifices ». Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi « Oui Seigneur, je viens sur l'autel des sacrifices ». Même ceux qui sont en train de me suivre là, vous pouvez répéter avec moi « Oui Seigneur, je viens sur l'autel des sacrifices ». Oui Seigneur, je viens sur l'autel des sacrifices. Gloire à Dieu. Il y a un appel que le Seigneur est en train de nous appeler aujourd'hui de venir sur l'autel des sacrifices, de se livrer à lui, parce qu'il y a quelque chose de grand qui va se passer. Mais Dieu a besoin qu'on puisse lui présenter des bois pour qu'il manifeste sa gloire. Et c'est toi que l'Éternel en a besoin aujourd'hui pour révéler sa gloire. Dieu n'a pas d'autre main si ce n'est pas tes mains. Il n'a pas d'autre bouche si ce n'est pas ta bouche. Il ne peut pas avoir compassion s'il ne passe pas à travers ton cœur. N'est-ce pas nous sommes le corps du Christ? N'est-ce pas nous sommes les membres du Christ? C'est par nous que Christ va s'exprimer. Lorsque tu incarnes cette dimension du Christ, Christ commence à avoir compassion à travers ton cœur. Christ commence à regarder le pécheur à travers tes yeux. Christ commence à te faire entendre les cris des âmes assoiffées, désaltérées à travers ton cœur. Parce que tu laisses Christ s'exprimer en toi. Aujourd'hui, Christ veut être exprimé à travers toi. Parce qu'il te dit, tu es mon corps. Tu es mon corps. Laisse-moi m'exprimer à travers toi. C'est la raison pour laquelle on peut encore répéter, oui Seigneur, je viens sur l'autel de sacrifice. Seigneur, bénis ta parole. Que ton esprit nous couvre et que ta gloire devienne réelle, tangible. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus.
Merci pour le mouvement de ta gloire. Merci car là où tu es, il y a la liberté. Merci pour la liberté. Et par cette liberté, nous sommes transformés de gloire à gloire à ton image. Merci car personne ne rentrera ici tel qu'il est venu. Merci, touche des vies, tu touches des vies dans nos maisons. Tu fais de merveilles. Au nom de Jésus. Amen. Regardons avec moi Hébreux chapitre 10, le verset 7. Je suis tellement dans la joie et je sens une grande joie ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Cette église est vraiment bénie. Est vraiment bénie. La bénédiction d'une église, c'est par rapport à la présence de Dieu. Amen. Dieu est merveilleux. Je peux lire. Hébreux chapitre 10, le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Je répète. Alors, Hébreux 10, 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ça, c'est une genre de déclaration de la personne qui a atteint la maturité. La personne qui a grandi. Cette personne-là ne regarde pas à gauche et à droite. Mais cette personne se tient pour dire, Dieu, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu me demandes? Dis-moi quelque chose et je le ferai. Et ça, c'est une dimension des personnes qui disent, je m'engage, je viens. Parce qu'il est question de moi. Il n'est pas question de la personne qui est à gauche ni à droite. Mais il est question de moi de faire ta volonté. C'est moi qui va faire ta volonté. Mais voici, je viens. Bien qu'il est question de moi pour faire ta volonté, mais si je ne me présente pas, tu ne feras rien parce que tu es le Dieu qui respecte notre volonté. Tu ne nous forces pas, mais tu nous montres le chemin par lequel nous devons faire. Mais voici, je viens pour faire ta volonté. En dépit de toutes choses, je viens pour faire ta volonté. Je m'approche pour se présenter comme un sacrifice, afin qu'à travers ce sacrifice, plusieurs soient touchés, soient impactés. Ça, c'est la prière de la dédicace. Ça, c'est la déclaration de la personne qui dit, puis, prends tout Seigneur, entre tes mains je me livre, je me donne entier en toi, je me donne tout de moi en toi. Je viens faire ta volonté. Et par ce passage, ça nous ramène directement au culte que le Seigneur en a besoin. Le culte qui consiste à se dédier à Dieu, à s'offrir à Dieu. C'est un culte d'un parfum agréable. C'est un culte d'un mouvement surnaturel. C'est un culte de l'amour exprimé où la personne sait volontairement, délibérément, s'engage à venir devant l'autel. Regardez avec moi Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Et nous allons découvrir cela. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, un culte raisonnable pour Dieu, c'est un culte de la personne qui dédie son corps comme sacrifice. Le mot culte veut dire le sacrifice. Il n'y a pas de culte sans sacrifice. Et là où le culte se présente avec un sacrifice, Dieu approuve cela par sa gloire. C'est la raison pour laquelle partout où il y avait les sacrifices, la gloire de Dieu venait dessus. Mais Dieu veut aujourd'hui manifester sa gloire à travers toi. Et que tu sois une source de bénédiction pour les gens de ta génération. Et que tu sois un canal par lequel Dieu touche ta famille. Dieu touche ton monde. Touche les gens qui sont en train de crier. Aujourd'hui, le monde est dans l'ébullition. Le monde crie. Il n'a pas de solution. Mais la solution se trouve à l'église. Mais il faut que l'église puisse se révéler comme étant des gens qui viennent dans l'autel de sacrifice.
Ils offrent leur corps en sacrifice. C'est un culte raisonnable. On va comprendre cela. Ce ne veut pas dire que non, tu vas te tuer. Non. Non. Mais tu dois comprendre de faire la volonté de Dieu pour que des gens soient touchés à travers toi. Pour que des pécheurs viennent sous la barre de la croix en pleurant. Pour que juste ta présence puisse convaincre les gens du péché. Pour juste seulement ton mouvement commence à toucher les gens. Il faut qu'il y ait un sacrifice pour que le monde soit parfumé par toi. Alléluia. Nous devons retenir ceci. Il y a trois grands sacrifices dans la Bible. Nous avons d'abord le sacrifice de biens. Ça se trouve dans le livre des Philippiens, chapitre 4, le verset 18. Le sacrifice des biens, on parle de corban. C'est là où nous donnons à Dieu nos offrandes. C'est un sacrifice pour l'Éternel. Nous donnons à Dieu nos biens. Nous sommes en train de faire un sacrifice pour le Seigneur. Tel que les apôtres avaient fait, les patriarches avaient fait. Et ce sacrifice-là nous rapproche en fait de Dieu. Corban veut dire se rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi dans Malachie, chapitre 3, le verset 7 à 10, Dieu dit, vous êtes séparés de moi. Et vous dites, en quoi? Et Dieu répond, par vos dîmes et vos offrandes, vous êtes séparés de moi. Maintenant, approchez-vous de moi. Par quoi? Par des dîmes et des offrandes. Et mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne suis pas capable de vous ouvrir les ciels. On s'approche de Dieu aussi à travers le sacrifice de bien, nos offrandes. Ça nous fait rapprocher de Dieu. Le mot offrande veut dire corban. Ça veut dire se rapprocher de Dieu. Ça, c'est le premier sacrifice. Nous lisons Philippiens, chapitre 4, le verset 18. Est-ce que quelqu'un est avec moi et peut saluer la gloire de Dieu? Quelqu'un peut saluer la gloire de Dieu? Saluer la gloire de Dieu? Merci, Jésus. Philippiens, chapitre 4, verset 18. La Bible dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. On présente les offrandes comme un sacrifice qui lui est agréable, un parfum de bon. Odeur. Ça, c'est le premier sort de sacrifice, le sacrifice des biens. Il y a la deuxième sorte de sacrifice, il s'agit des sacrifices de louanges. Ça aussi, c'est un sacrifice. Amen. Il y a des louanges que nous avons, mais il y a aussi des sacrifices de louanges. Cela veut dire que tu n'as pas de raison pour adorer, mais tu adores le Seigneur. Parce que tu vis pour adorer. Tu n'as pas de raison pour louer, mais tu loues le Seigneur. Là, ça devient un sacrifice de louanges. Comme Paul et Silas, dans la prison, on les a flagellés. Ils étaient dans la prison. Le lendemain, on devait les exécuter. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et louaient le Seigneur. Et tous les prisonniers écoutaient ça. Ça, c'est le sacrifice, en fait, des louanges. Amen. Il y a certaines dimensions de Dieu, ça s'ouvre par le sacrifice des louanges. Vous savez, pour trouver le président de la République, il faut passer par le protocole. La louange, c'est le protocole qui nous amène devant la face de Dieu. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Ça, c'est le sacrifice des louanges. Et cela libère le mouvement de la gloire de Dieu. Lorsque nous lisons un verset, lisons avec nous, sacrifice de louanges. Lisons Hébreux, chapitre 13, le verset 15. Hébreux 13, 15. La Bible dit ceci, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ça, c'est le sacrifice de louange. C'est la deuxième dimension de sacrifice. Et la troisième dimension de sacrifice, c'est là où le Seigneur nous demande aujourd'hui
de faire sur le sacrifice du corps, du sacrifice du corps. S'il vous plaît, je vais vous dire encore sacrifice du corps. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il veut que nous s'offrons à lui comme un sacrifice du corps pour faire un culte raisonnable. Un culte raisonnable dit, le monde est en train de mourir parce que moi je ne fais rien. De multitudes sont dirigées dans le chemin de l'enfer. Ils passeront toute l'éternité en flammes parce que moi je ne fais rien. Si tu rencontres quelqu'un en plein danger, tu le laisses, tu seras condamnable de non-assistance à danger. Et tu pourras être poursuivi, être même mis en prison et payer l'amende de 75 000 €. Parce que simplement tu as laissé la personne en danger. Si on peut sanctionner pour les corps, à combien plus forte raison pour l'âme. Amen. Toute personne qui n'a pas reçu le Seigneur, c'est une personne en danger. C'est une assistance à personne en danger. Et nous n'avons pas à négocier là-dessus. Parce que Jésus va dire dans le livre de Luc, lorsqu'il parlait des noces, il dit, allez, contrôlez d'entrer dans ma maison, car ma maison sera remplie. Ne négociez pas, contrôlez de venir dans ma maison, parce que ma maison sera remplie. Lorsque le diable dit, oh non, 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 là tu déranges leur liberté. Non, là c'est la pensée diabolique. Tu dois les contraindre parce qu'il est déjà voilé. Tu dois les contraindre dans la prière, en priant pour son cœur. Lorsque tu parles de Dieu, quelque chose touche son cœur. Lorsque la personne vient à Jésus, c'est pourquoi au ciel on fait la fête. Parce qu'une âme est sauvée de Cheyenne de l'éternité. Il n'y a pas d'un si grand cadeau que de recevoir le ciel. Il n'y a pas de merveilleux cadeau que tu peux donner à la personne que tu aimes si ce n'est pas Jésus dans ton cœur. Alléluia. Et nous devons avoir ce genre de sacrifice. Amen. Alors, je viens de lire le sacrifice des louanges, c'était Hébreux chapitre 13. On a lu ça. Et maintenant, nous passons dans le sacrifice du corps. Si on peut me balancer, c'était Romains chapitre 12, verset 1 à 2. C'est là où nous allons entrer et puis le sacrifice du corps. Hébreux chapitre Romains 12, le verset 1 à 2. Ok, merci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est le sacrifice du corps. On parle de soma en grec. Ça veut dire tu donnes ton corps pour Dieu. Amen. Ce n'est pas que non, tu t'empoisonnes. Non. Ce n'est pas que non, tu te poignardes. Non. Mais tout simplement, tu décides de payer un grand prix pour que la gloire de Dieu descendre de toi et toucher les gens de ta génération, toucher ta famille, toucher les gens, où tu es en train de gêner, tout simplement pour transformer la vie d'une personne, changer la vie de cette personne-là. Ça, c'est le sacrifice que le Seigneur demande. Le sacrifice du corps, c'est pas c'est sur l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices était le lieu où les sacrifices du peuple devraient être examinés, brûlés. D'abord, on examine le sacrifice, on le tue et on brûle cela. Ça s'est passé sur l'autel des sacrifices, on l'appelle l'autel de l'Holocauste. Le sacrifice du corps, ça se passe sur l'autel, le lieu où il y a l'écoulement du sang. C'est le lieu où il y a des cris de sacrifice. C'est dans cet endroit où il y a la mort et la vie. Quelqu'un doit mourir pour qu'une autre personne vive. On a mené l'animal sur l'autel des sacrifices. L'animal crie, l'animal est égorgé. Et directement, le peuple devait recevoir la vie. Parce qu'un animal est mort, le peuple est vive. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de chercher des gens qui peuvent se présenter devant l'autel des sacrifices. Qui peuvent mourir en eux-mêmes. Porter la croix pour que d'autres puissent vivre. Alléluia. Alléluia. C'est dans cet autel de sacrifice où on devrait être sauvé
devait être libéré par le prix d'un sacrifice qui est payé. Jésus a porté sa croix et il ne demande pas de porter la croix de Jésus. Non. Mais Jésus dit, si tu veux me suivre, charge-toi de ta propre croix. Cela veut dire, sois capable de payer le prix. Tu as un prix à payer. Tu as une croix à porter. Par la croix de Jésus, par la croix de ton voisin, par la croix de ta sœur, tu as une croix à payer. C'est pourquoi tu sens un fardeau dans ton cœur. C'est pourquoi lorsque tu vois les gens souffrir, tu as mal à l'aise. C'est pourquoi lorsque tu vois le monde, tu es déprimé. Parce qu'il y a une croix dans laquelle tu es appelé à porter. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit de venir à l'autel des sacrifices pour dire, il est question de moi, je dois chaîner. Pour impacter ma génération, il est question de moi. Je dois me présenter devant l'autel des sacrifices pour que ma mère soit sauvée, pour que mon fils soit sauvé, pour que les gens de mon quartier soient touchés. Je dois faire quelque chose. Ce n'est pas à Dieu de descendre. Non, Dieu agit à travers moi. Je dois me présenter devant l'autel. Il faut qu'une personne meure pour que les autres soient sauvés. C'est pourquoi l'homme de Dieu... L'apôtre dit, je me donne tout entier. Se donner tout entier, cela veut dire quoi? Ce n'est pas recevoir Jésus. Non. Tu as reçu Jésus. Jésus est venu dans ton cœur. Tu y es sauvé. Mais se donner à Dieu, c'est aussi, se donner à Dieu, cela veut dire quoi? Tu dis, Seigneur, tu m'as donné ta vie. Moi aussi, je te donne ma vie. Est-ce qu'on a compris? Jésus a donné sa vie. Il a besoin, toi aussi, tu lui donnes sa vie. Lorsque toi tu lui donnes sa vie, alors à ce moment-là, la communion est établie, tu deviens un autel de sacrifice, c'est là où Jésus manifestera sa gloire. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous recevons Jésus, là, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est la relation. Mais lorsque nous donnons à Jésus, là, nous sommes devenus des fils de Dieu. C'est la communion. C'est là où l'héritage passe. La communion, c'est lorsqu'on s'offre à lui. C'est pourquoi j'aime ça. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Puis prends-toi, Seigneur. Oui, prends-toi, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur, sans rien garder, je me livre tout avec bonheur. D'autres n'arrivent pas à se livrer parce qu'ils regardent des intérêts charnels. Ils n'arrivent pas à se livrer parce qu'ils se regardent encore en eux-mêmes. Tu dois te livrer pour sauver, alléluia, des multitudes parce que Dieu passera à travers toi. Aujourd'hui, Dieu est en train d'attendre quelqu'un sur l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est un lieu du salut et de visitation divine. Mais cela est possible si une vie se présente sur l'autel. Si une vie se présente sur l'autel. Si les apôtres n'avaient pas dédié leur vie, l'évangile n'allait pas arriver jusqu'à nous. Alléluia. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 27, le verset 1 à 2, Exode 27, verset 1 à 2. On va découvrir le mystère de l'autel des sacrifices. Pendant que je suis en train de parler, je sens beaucoup de gens sont enflammés dans leur cœur. Je sens beaucoup de gens commencent à regarder les âmes autrement. Oui, parce que Dieu te dit, tu as de la valeur. C'est toi que Dieu en a besoin. La Bible dit, tu feras l'autel des bois d'acier. Sa longueur sera de 5 coudées. Cela veut dire 2 mètres et demi. Et sa largeur sera de 5 coudées. L'autel sera carré. Il faut que le sacrifice soit carré. Alléluia. Soit carré. Et la Bible dit, sa hauteur sera de 3 coudées. Le verset. Tu feras aux 4 coins des cornes. Tu feras aux 4 des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras de reins. Donc on va remarquer ici que à chaque bord de l'autel de sacrifice, il y avait des cornes. L'autel de sacrifice était supporté par quoi? Par les cornes. Le pied de l'autel de sacrifice était les cornes.
Donc le pied de l'autel de sacrifice, c'est le corne. L'autel de sacrifice est soutenu par quoi? Par les cordes. Le sacrifice mourait en présence de quoi? En présence des cornes. C'est là où une vie devait sauver le peuple. Ceux qui viennent sur l'autel seront soutenus sur les cornes. La corne vient de hébreu keren, soit keras, veut dire puissance, force, pouvoir. Dis avec moi puissance, force, pouvoir. Dis encore puissance, force, pouvoir. Seigneur, mais pourquoi tu ne m'exorces pas? Ok, tu manques quelque chose. La puissance, la force et le pouvoir. Tu manques cette connexion-là qui permettra à ce que la réponse de Dieu arrive vers toi. Oh, pour avoir la puissance, la force, tu dois te présenter sur l'autel. Une vie au-dessus de l'autel est soutenue par la puissance de Dieu, par la corne. Si les chrétiens se présentent devant l'autel, les chrétiens manifesteront la corne, la puissance de Dieu dans leur génération. Quelqu'un qui est sur l'autel, sa prière est accompagnée par puissance. Quelqu'un qui se dédie à Dieu, son conseil est accompagné par la force. La puissance, c'est la capacité d'agir. Là où il y a la puissance, tu parles à une personne, la personne est touchée, la personne est convertie, parce qu'il y a la puissance là-dedans. Je vais terminer pour dire que le sacrifice qui sauvait le peuple était soutenu sur les cornes. C'est-à-dire le lieu des sacrifices, le lieu des sacrifices, c'est le lieu de la puissance. Si nous sommes sur le sacrifice de l'autel, il y aura la puissance. L'apôtre Paul s'est dédié à lui, il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit. Il était déjà sur l'autel des sacrifices. C'était normal que la puissance marche avec lui. L'apôtre Pierre lui-même, il dit, jugez, est-ce que je vais obéir à Dieu ou à vous? Et lorsqu'on l'a frappé, il lui dit, quelle joie, quelle faveur de se retrouver flagellé à cause de Jésus. Je ne méritais pas d'être frappé comme ça. Comment expliquer? On vient de te frapper, tu commences à louer le Seigneur. Il dit, c'est quelle grâce qu'on puisse me frapper à cause de toi. Mais aujourd'hui, c'est la simple parole. La personne fouille l'église. Non, on m'a blessé. Mais eux, ils étaient heureux lorsqu'on les affligeait. Ils étaient heureux lorsqu'on les disait mal d'eux. Jésus dit, soyez heureux lorsqu'on vous dit de mal de vous. Lorsque tout le monde ne vous parle en bien, ne sois pas heureux. Ne sois pas heureux. Mais lorsqu'on parle du mal de vous, soyez heureux. Parce que là, vous êtes vraiment des sacrifices. Tu ne peux jamais être sur l'autel des sacrifices et ne pas expérimenter la puissance de Dieu. Tu ne peux jamais mourir et ne pas vivre la puissance de Dieu. Et tu ne peux jamais vivre la puissance de Dieu sans d'abord mourir. Moïse dit, je vais voir ta gloire. Mais non, pour voir ma gloire, il faut mourir. Il faut mourir. Ça veut dire mourir par rapport à tes programmes égocentriques. Mourir par rapport à tes décisions dans lesquelles tu ne consultes même pas Dieu. Mourir par rapport à ton sentiment où tu te regardes qu'à toi-même. Tu ne regardes pas, alléluia, le cœur de Jésus par rapport aux âmes qui sont en train de se perdre. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 2, verset 17, il parlait quelque chose de si fort, l'apôtre Paul, Philippiens 2, 17. Quelqu'un était sur l'autel, il dit, et même si je sers des libations pour les sacrifices et pour les services de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Il s'est réjoui d'aller mourir pour Jésus. Il dit, Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Il dit, tout ce que je regardais comme de gain, à cause de Jésus, je le regarde maintenant comme une perte. Afin de gagner Jésus. Tu ne peux pas gagner Jésus si tu n'es pas sur l'autel. Jésus dit, celui qui veut me suivre doit s'échapper de sa croix. Suivre Jésus, c'est autre chose. Cela veut dire marcher sur ses pas. Le pas du surnaturel. Les pas de l'amour, les pas de la gloire, soyez prêts d'être sur l'autel. Tu ne peux pas voir la puissance sans être mort en soi. C'est en présence du feu que les cornes. C'est en présence des cris,
À présent, tu sens que les cornes vivent. On a mis les cornes dans le feu. La puissance de Dieu se manifeste lorsque quelqu'un est sur l'autel des sacrifices. Je me limite ici pour clôturer. Aujourd'hui, Dieu appelle des hommes et des femmes à venir l'autel des sacrifices pour sauver des multitudes qui se dirigent à l'enfer, pour sauver les gens de leur génération. Aujourd'hui, Dieu t'appelle sur l'autel des sacrifices. Tu peux dire, mais qui suis-je? Je suis qu'un enfant. Pendant qu'on persécutait les gens en Chine, vous savez que la Chine avait le réveil, ce n'était pas comme aujourd'hui. Pendant qu'on les persécutait pour ébranler le christianisme, on les brûlait vifs sur le feu pour atteindre le feu du christianisme. Il y avait une fille. Lorsqu'on l'a appelée sa mère pour dire que non, tu dois injurier Jésus, sinon tu seras brûlé. Et sa mère commence à regarder cette fille. Tous étaient des chrétiennes. Sa mère regarde la fille. Le feu était là. La fille dit, je ne peux pas injurier Jésus parce que je n'ai jamais vu son mal. Et sa mère commence à pleurer déjà. Et on a lié cette fille qui avait l'âge de 13 ans. Et lorsque cette fille était dans le feu, pendant que le feu montait sur son cœur, cette fille va crier. Il dit, oh Seigneur, aujourd'hui, je suis témoin de ton amour. Oh là là, oh là là. Je suis témoin de ton amour. Et elle est morte. Je me rappelle d'Étienne pendant qu'on l'a lapidé. Étienne s'est forcé de mettre en genoux pour adorer. On les lapide, mais Étienne se tient debout. Après, il s'agenouille pour dire, Dieu ne l'impute pas leur péché. Il continue à déclarer leur pardon alors qu'on est en train de les sacrifier. Avec ce prix-là, le manteau d'Étienne est tombé sur l'apôtre Paul. Parce que les disciples ont pris le vêtement d'Étienne, ils ont mis au pied de l'apôtre Paul. C'était normal que l'apôtre Paul puisse envahir le monde dans les ventes. Parce que quelqu'un était sur l'autel du sacrifice. C'est toi que Dieu appelle, pas une autre personne, c'est toi. Tu es si faible, c'est la raison par laquelle Dieu t'appelle. Parce que Dieu utilise des gens faibles. Tu ne sais pas par quoi. C'est une bonne raison que Dieu est en train de t'appeler maintenant sur l'autel des sacrifices. Tu dois dire quoi? Mais non, 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 non. C'est pourquoi Dieu t'a appelé pour mettre sa parole sur ta bouche. Dieu n'a pas appelé des gens qualifiés. Les gens que Dieu a appelés dans la Bible, c'était les gens qui n'étaient pas qualifiés. Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Gédéon, tout le monde, Pierre, Paul, ce n'étaient pas des gens qualifiés. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, je me donne tout. Je me donne tout. Est-ce que quelqu'un peut venir sur l'autel des sacrifices aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire, non, 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 je ne peux pas attendre les réveils. Les réveils commencent par moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, mais voici, utilise-moi sur l'autel des sacrifices. S'il y a des gens qui peuvent venir sur l'autel des sacrifices, qui se tiennent là où ils sont, en élevant les mains en haut. En élevant les mains. Même si dans la maison, élevez seulement la main en haut. Vous êtes ici, vous voulez venir à l'autel des sacrifices que Dieu vous utilise. Vous pouvez vous tenir debout là où vous êtes. Ne venez pas ici. Tenez-vous debout là où vous êtes partout. Élevez les mains en haut. Abandonnez-vous à Dieu. Quelque chose va se passer dans votre vie. Merci pour des femmes qui s'élèvent. Merci pour des hommes qui s'élèvent. Merci pour des frères qui s'élèvent. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Dans les rouleaux de livres de vie, il est question de toi. Il est question de toi. C'est toi la lumière du monde. C'est toi le sel de la terre. Pas une autre personne. C'est par toi que Dieu passe. Pour toucher les gens, c'est par toi que Dieu passe. Tu veux que Dieu t'utilise de manière exceptionnelle. Ta simple parole devient, alléluia, enflammée de l'amour de Dieu. Merci pour les gens qui sont élevés. Le main levé maintenant. Le main levé maintenant. Le main levé maintenant.
commence à dire des paroles. Après, je vais appeler l'apôtre pour prier pour nous. Commence à déclarer des paroles pour Dieu. Dis à Dieu ce que tu attends de lui. Dis à Dieu ce que tu attends de lui. Dis à Dieu, j'ai compris les questions de moi. J'ai compris les questions de moi. Aujourd'hui, on ne tue pas. Aujourd'hui, on ne brille pas. Pourquoi ne pas se présenter? Pourquoi ne pas se présenter? Aujourd'hui, il n'y a pas une loi qui interdit des gens de toucher la Bible. Pourquoi ne pas se présenter? Aujourd'hui, on ne lapide pas. Mais pourquoi est-ce que je suis spécial par rapport à eux? Qu'est-ce que moi j'ai pu faire par rapport à eux? Mais ce que je dois faire, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, passe sur moi. Je m'approche devant l'autel. Dis après moi, Seigneur Jésus. Crie très fort à Dieu, dis Seigneur Jésus. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Me voici sur l'autel des sacrifices. Je t'offre mon corps, mon âme, mon esprit. Utilise-moi par ta gloire. Touche-moi. 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 Au nom de Jésus. Élevez les mains à la puissance de Dieu qui arrive. Il a la puissance de Dieu qui descend. Il a la puissance. Beaucoup vont commencer à parler à langue. Attention, la puissance de Dieu arrive là où tu es. La puissance de Dieu, il a le flot de l'esprit qui commence à toucher. Il a le flot de l'esprit. Recevez le flot de l'esprit. Recevez le feu. Je vois des gens enflammés. Je suis en train de voir le feu sur les têtes des gens. Je vois le feu sur les têtes des gens. Le feu commence à traverser. La puissance de Dieu commence à agir. C'était une ulcère du côté gauche de mon sein gauche. Un jour, j'étais dans la salle de bain, je me lavais. Alors que je me frottais, en arrivant de ce côté-là, gauche, j'ai senti une boule. Vous savez, quand il y a une maladie, quand il y a quelque chose, quand il y a un corps étranger qui rentre dans votre corps, même si vous n'allez pas à l'hôpital, même si vous ne vous faites pas examiner, vous devez quand même savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un corps étranger qui est rentré dans votre corps. Et après cela, il y avait quelque chose qui s'était passé à vous. Et puis vous avez constaté que vous étiez guéri. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez senti après cette localisation prophétique? Oui, c'était dans un culte en ligne atomique de prière. Et là, le pasteur avait déjà fini son intervention. Et puis, il a dit, toute personne qui est malade, qui touche, qu'elle touche là où elle se sent malade, là où il y a la maladie, là où il y a la douleur. Et là, moi, j'ai touché là où j'avais mal. Effectivement, le pasteur avait prié. Juste après cette prière, elle m'a appelé. D'ailleurs, il ne m'a pas appelé, mais il a dit en ligne, comme il faisait d'habitude, il a dit, Maman Espérance, Dieu vient de te guérir de l'ulcère. Et je vois là où il y avait la maladie, je vois il reste un grand trou là où il y avait la maladie. La maladie vient d'être ôtée. Maman Espérance, il y a par rapport au problème de douleur là, dans la poitrine, comme tu avais dit. Je vis quelque chose de boule qui était trop sec, comme un bile. Mais des boules, comme un bibon, mais des boules. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Et on a enlevé ça. Amen. On a enlevé ça et maintenant, la peau commence à pousser, commence à pousser, commence à pousser, commence à pousser. Et Dieu me dit, en fait, il vient de te délivrer des ulcères. De ulcère. Il
viens te délivrer des ulcères du cœur. Tu allais être passé à l'opération. Je viens te délivrer. Et Dieu me dit que ça te faisait du mal, mais directement, ça sortait au milieu de ton dos, précisément là où il y a tes épaules, mais derrière. Tu sais, quelques trucs ici, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, dans le dos, juste là, derrière, et ça sortait comme des gaz de feu. Tu sentais des chaleurs, mais en gaz de feu, comme on a mis des gaz de feu. C'est comme ça que tu sentais. Et parfois même, ça faisait comme des piments. Comme des piments. Ça faisait comme des piments. C'est ça. C'était en fait des signes là d'une sœur. L'Éternel vient de te libérer. Il t'a délivré, il t'a beaucoup aimé. En fait, pour être clair, une sœur, c'est le cancer. Donc, voilà ce que le Seigneur vient de faire. Il a ôté de toi ce cancer. Encore. Et après cette atomique, je vous dis, j'avais très mal, très mal. Alors, je suis allée même dire à mon mari que Pasteur Noah vient de prier pour moi pour la douleur que j'ai toujours ressentie tous les jours. Et là, je me sens que je viens d'être guérie. Sauf que je sens comme si on vient de m'arracher une partie. On dirait qu'on vient de m'arracher une côté ou bien une partie de ma mamelle là. Là où il y avait la maladie, j'avais très mal et j'avais appelé même sa femme, la prophétesse Dandine, pour lui dire « Maman, j'ai très mal, d'ailleurs j'ai encore plus mal qu'avant. » Elle m'a dit « Maman Espérance, tu dois mettre dans ta tête que tu es guérie. Tu es guérie, mets ça dans la tête, il ne faut pas avoir des doutes, tu es guérie. » Ce sont des réactions qui viennent même après l'opération. C'est une grande opération que Dieu vient de faire dans ta vie ou bien dans ton corps. Et là, j'ai tenu ça et dans ma tête, je savais que j'étais guérie. J'ai mis ma foi et j'avais de la considération envers l'homme de Dieu qui a prié pour moi. Et je vis la main de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi je témoigne ce soir. Gloire à Dieu. Dieu ne change pas. Jésus-Christ est Seigneur. Il sauve jusqu'à présent. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait à travers votre vie, que le Seigneur soit béni. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu l'opportunité de trouver le médecin pour checker, confirmer votre guérison? Je ne sais pas. Bien sûr, je suis allé. J'avais d'ailleurs, la première fois, j'avais eu un rendez-vous avec le médecin. J'arrive, comme mon mari qui avait la carte vitale, je ne pouvais pas être reçu les jours-là. Et la dame m'a dit que non, madame, on ne peut pas vous recevoir aujourd'hui, on ne peut pas faire la radio aujourd'hui parce que vous n'avez pas la carte vitale. Mais j'avais appelé mon mari, il m'avait envoyé la photo de la carte vitale, mais la femme n'avait pas accepté de me prendre en charge. Et elle m'a donné un autre rendez-vous. Et au deuxième rendez-vous, c'est là qu'ils ont... Ils m'ont examiné, effectivement, il n'y avait rien. Même la personne qui m'a examiné, elle m'a dit, tu ne peux pas partir, tu dois attendre à ce que le médecin vienne encore vérifier si réellement tu n'as rien. Parce que tout ce que vous nous expliquez là, vous devez quand même avoir quelque chose dans votre corps. Mais là, on ne voit rien, il n'y a même pas une petite miette, même il n'y a pas de traces même de maladie dans votre corps. Vous êtes saine. Et là, j'ai entendu pendant 20 minutes, et le médecin, quand il est arrivé, il m'a regardé, il m'a dit, madame, vous n'êtes plus malade, il faut enlever cette culpabilité dans ta tête. Tu n'es pas malade, tu es saine et va en paix. Et là, j'ai dit que le Seigneur est bon. Et je remercie mon Seigneur et j'ai béni et toute personne qui me suit en ce moment, même si tu es malade, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie qu'on t'a informé, tu dois savoir que la meilleure guérison vient de l'Éternel. Quand l'Éternel te guérit et que tu sais que c'est l'Éternel qui t'a guéri, il va te guérir. Ce n'est pas seulement ça, va s'arrêter seulement que dans le corps et ça sera aussi dans l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur donne à chacun et que le Seigneur vous affermisse, que le Seigneur vous approche encore plus de lui. Nous, on ne peut pas venir chez Dieu seulement quand on est malade, mais quand le Seigneur te donne l'occasion de s'approcher à lui, parce que le Seigneur, il
là mille et une façons que les personnes puissent venir à lui. Il peut t'appeler à partir d'une maladie, à partir d'une situation, à partir d'un problème. Et là, le Seigneur, c'est lui qui fait tout selon son temps et selon son air. Et là, je vous dis que moi, je suis guéri. Je ne suis pas là pour faire des publicités pour quelqu'un. Mais moi, ce que j'ai dit devant vous, devant mon Dieu, je sais que je suis guéri parce que c'est le Seigneur qui m'a guéri. J'avais l'ulcère et je le cite encore, c'était l'ulcère. J'étais très malade, je ne pouvais pas le faire ou bien je ne pouvais pas l'informer à mes enfants parce que je sais que le Seigneur m'a guéri. Je ne voulais pas attrister mon mari, attrister mes enfants, mais ça fait un bout de temps, presque une année que j'ai souffert de cette maladie. Et moi-même, je savais que j'avais la maladie dans mon corps. Même si ça n'a pas été détecté quand je suis allée faire l'examen, parce que le Seigneur m'avait déjà guéri. Et j'ai la ferme conviction que je suis guéri et il n'y a plus de maladie dans mon corps. Gloire que le Dieu. Seigneur soit loué. Que notre Seigneur soit béni. Lorsque Jésus-Christ, l'excellent docteur, Il guérit complètement, parce que par ce maîtrisire, nous sommes guéris, comme déclare la parole de Dieu dans Ésaïe 53. Alors que vous avez constaté vous-même que vous êtes guéri, avez-vous informé aux membres de vos familles pour célébrer ensemble ce que le Seigneur a fait pour vous? Je suis rentrée chez moi, et quand je suis rentrée, mes enfants m'attendaient à la maison. Ils attendaient. Je ne sais pas ce qu'elles attendaient de moi, mes filles. Elles avaient tellement peur, mais elles voulaient quand même avoir la réponse, les résultats que j'avais mis au niveau de l'hôpital. Mmh. Et quand je suis arrivée, elles me demandent, maman, qu'est-ce que le docteur a dit? J'ai dit, j'ai rien dans mon corps. Je suis guérie et je sais que le Seigneur m'a guérie. Et le jour où moi j'étais guérie, je connais ces jours-là. Je ne peux pas, je ne peux pas oublier. Je sais que c'est le jour-là que j'étais guérie. D'ailleurs, le jour où j'étais guérie, c'était comme si je venais d'être opérée. Je n'ai pas même bien dormi la nuit parce que j'étais comme si quelqu'un qu'on venait d'arracher un sein dans mon corps. Que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il t'a opéré miraculeusement. Je prie que le Seigneur puisse continuer à te bénir et que ta vie soit vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus, et que ce témoignage touche plusieurs personnes à croire à l'amour de Jésus. Alors, ok, tu peux m'aider à lire tous ceux qui ont des sujets là rapidement. Pour des hommes de Dieu dans lesquels j'ai prié, écrivez ce que le Seigneur vient de faire pour vous. Alors, je prie d'abord pour ma mère spirituelle. Quoi? J'ai des douleurs au niveau des poitrines, ça perdure. Ok, l'autre est au niveau des... Des dos. Ok, alors, pour ceux des poitrines, prenez ta main, touchez la poitrine comme ça, touchez seulement comme ça, simplement. Dépose le téléphone, touchez seulement comme ça. Tu as des douleurs au niveau du dos, fais seulement comme ça. Fais comme ça, soit comme ça. Au niveau du dos, fais comme ça. Ne touche pas le dos, mais touche l'épaule. Au niveau de la poitrine, fais comme ça. Au niveau de la tête, fais comme ça. Je vais maintenant prier. Le Seigneur est Dieu, il 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 est Dieu. Il a dit dans sa parole que par ses maîtrisures, vous êtes guéri. Maintenant, je commande à ces douleurs qui a persisté dans la poitrine de Maman SP de partir maintenant. Que ces douleurs partent. Que ces douleurs partent. Que ce truc au niveau de sa poitrine, je la lève et je dis que ça part. Ça part. Dans le nom de Jésus. Que la plaie soit bandée et que la couche de la chair croisse. Je referme l'endroit rapidement. Rebono shanamana rababa rekai. Yenobale akaria braka shoteliakate. Waouh, tu es guéri. Reçois la paix et reçois la glace de l'Esprit de Dieu. La paix et la fraîcheur forte au niveau de ton cœur. Toi qui as des problèmes, tu as connu l'accident, des douleurs au niveau de Christiane, au niveau des dos, ainsi de suite. Que cela soit enlevé.
gloire, Jésus-Christ sauve. Il est notre Dieu, il fait de merveilles. Il n'a pas changé. Beaucoup ont été bénis par ce série d'enseignements de valeur dans ce magazine, Le Réveil Spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, je profite de lancer un appel à toute personne qui désire que cette œuvre puisse continuer. Le peuple de Dieu, nous avons besoin des moyens, de votre contribution selon que le Seigneur vous mettra à cœur pour pouvoir continuer ces émissions. Jusque-là, je le fais par moi-même, mais maintenant le contrat tend vers la fin. Est-ce que quelqu'un ne peut-il pas contribuer à cette œuvre et le Seigneur le comblera de toutes ses richesses et des grandes bénédictions. Rejoignez cette armée en devenant partenaire. Vous pouvez me contacter dans mon numéro personnel 0033 6 61 55 47 69. Le numéro est fixé là-bas. Vous pouvez me contacter pour envoyer votre contribution afin que le magazine de Réveil Spirituel puisse continuer. Et je crois que ça continuera parce que le Seigneur a de meilleur pour vous. Le plus grand don que la personne peut recevoir, c'est Jésus dans son cœur. Il est sauvé. Il a le ciel comme un héritage. Alors que vous voulez être sauvé, répète cette prière après moi. Ô Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sauve-moi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Et entre tes mains, je m'abandonne. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alors que vous avez fait ça, vous êtes sauvés et vous avez le ciel comme un héritage. Laisse-moi prier pour vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la faveur de Dieu vienne sur vous au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré, 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 libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes soient brisées, que les liens impurs soient rompus au nom de Jésus-Christ. Fais ce que vous ne pouvez pas faire, parce que le Seigneur a déjà intervenu. Que Dieu soit loué, vous êtes à Kinshasa, rejoignez-nous dans l'église Porte de l'Orient qui se situe sur l'avenue Kisombe, Kingabwa, Are Iveko, Wenzambila. Are Iveko, Wenzambila, avenue Kisombe, numéro 10. Rejoignez-nous ensemble pour expérimenter des moments de gloire. Bientôt, la prophétesse Nadine viendra à Kinshasa. Elle sera une grande bénédiction dans le cadre de l'adoration. Cœur des biches les a soifés de la présence de Dieu. N'oubliez pas de me contacter pour envoyer des témoignages et surtout pour envoyer votre contribution, j'apprécierai. Gloire, Jésus-Christ, sauve. Que Dieu vous bénisse.